Le Seigneur déclare « Quel malheur pour vous, enfants désobéissants. Vous faites des projets qui ne viennent pas de moi. Vous passez des accords contraires à ce que je veux. Vous ajoutez une faute à l'autre. Vous vous mettez en route pour l'Égypte, mais vous ne m'avez pas demandé mon avis. Vous voulez que le roi d'Égypte vous protège et vous cherchez un abri à l'ombre de son pays. La protection de ce roi sera pour vous une déception. L'abri que vous cherchez en Égypte vous fera perdre votre honneur. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Vous ne voulez pas. Vous dites, non, nous fuirons à cheval. Eh bien, oui, vous fuirez. Vous dites aussi, nos chevaux iront très vite. Eh bien, ceux qui vous poursuivront iront en effet très vite. Un seul ennemi vous menacera et 1000 d'entre vous trembleront de peur. 5 ennemis vous menaceront et vous fuirez tous. À la fin, ce qui restera de vous sera comme un signal au sommet d'une montagne, comme un drapeau sur une colline. Pourtant, le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté. Il se lèvera pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Ils sont heureux, ceux qui l'attendent avec espoir. Le Seigneur te montrera sa bonté quand tu crieras vers lui. Dès qu'il t'entendra, il te répondra. Tu considéreras comme impurs les statues de tes faux dieux en bois ou en métal, recouvertes d'argent et d'or. Tu les jetteras comme des choses sales, et tu leur diras « ordure ». Alors le Seigneur enverra la pluie sur les graines que tu as semées.